Bonjour Rona, bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Voilà Rona, je te présente Emmanuel, donc il va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Bonjour Emmanuel. Voilà, et bien je t'invite, nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, on t'écoute. Alors, depuis l'âge de 12 ans, j'ai de l'asthme. Après avoir porté un plâtre et un corset suite à une cyphose. L'image est toute droite, ne bouge pas. Voilà, c'est bon. D'accord. Donc, t'as de l'asthme depuis l'âge de 12 ans. Et c'est Voilà. quoi comment t'as dit, la phytose? La cause, c'est dès que je suis en présence il y a des poils de chat et ou dans des moments de stress. Ah, c'est une espèce d'allergie alors. Oui, c'est une allergie, oui. D'accord. On se Ok. déclenche. Et Ok. un jour, j'ai failli en mourir, par contre. Hein. Ah oui. D'accord, oui, c'est sérieux, quoi. Oui, c'est Bien. sérieux. Alors, l'autre point. Alors, quand je suis venue au monde, je suis venue avec un strabisme des yeux, des deux yeux. Je louchais. Et j'ai été opérée à l'âge de 4 ans. Oui. Et à l'adolescence, j'ai failli perdre la vue à la suite d'un vaccin que j'aurais pas dû avoir. Et voilà, il faut que je voie et absolument que je fasse attention à mes yeux. C'est très important de par mon travail de photographe. Ben oui, c'est sûr. Voilà, c'est très très important. Tu avais quel âge quand tu as eu ce vaccin? 12 ans, c'est toujours Ah la même oui. époque quand je suis revenue chez mes parents. D'accord. Tu n'as pas parlé de cyphose tout à l'heure ou un nom comme ça? C'est la cyphose, le dos rond. C'est quoi la cyphose en fait? C'est quand t'as le dos rond. Ah, le dos rond, d'accord, ok, C'est ça, voilà. la cyphose. Ok. Mmh. Cyphose. Donc c'est le dos rond. Ouais. Ok, donc c'est une déformation de la colonne vertébrale, quoi. Oui. C'est Ok. important de se protéger. Bon, on verra ça. On verra. Oh, j'évite les interprétations. Ouais. Alors, autre point. Hein. Alors, j'ai eu plusieurs problèmes avec mes organes reproductifs. Alors, Oui. il y a eu un IVG, deux fausses couches, et après, j'ai eu mes quatre enfants. Du coup, j'ai eu une descente des organes. J'ai été opérée, et le chirurgien qui m'a opérée m'a enlevé mon utérus sans que je le sache. Et contre mon gré, à ce moment-là, Ok. Et je c'est l'ai quoi ta fait. question? Hein? C'est quoi ta question alors? Ma question, pourquoi ça s'est passé? Pourquoi ça, D'accord. pourquoi il y a eu ça? D'accord. Parce que j'étais pas d'accord, parce qu'il m'avait posé la question et je lui ai dit, non, non, je ne veux pas qu'on m'enlève l'utérus. Il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même. Bien, on verra ça. Voilà. Et puis j'ai un candidat albicans il y a à peu près 4 ans. C'est quelque chose qui détruit un petit peu l'estomac. Je voudrais savoir si je l'ai toujours. Donc c'est un virus en fait, c'est ça? Ouais, c'est un virus qui détruit le macrobiote. Ouais. Ok. Candidat. Comment t'appelles ça, un candidat? Albicans. Ah, donc il est blanc, c'est ça? Oh, j'en sais rien. Comment il est? Albican, bah Albi, c'est blanc, non? Albican, d'accord. Enfin, peu importe, on s'en Peut-être. fout. Ok. Alors. Et puis le dernier point, ben, j'ai des démangeaisons anales dès que je suis couchée. Et là, j'en peux plus. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas comment l'enlever. Je ne sais Depuis pas. longtemps? Oh, depuis 4 ans aussi. Je crois. D'accord. Ouais, voilà. Voilà, c'est tout pour les points. D'accord. Hein? Et ensuite? Et bien, après, c'est par rapport les autres points. Alors, bon. Oh, je vais parler tout de suite de ce qui me dérange en ce moment. Difficulté avec l'argent. Je me retrouve toujours en situation de survie financière.
J'en arrive jusque-là. Okay. Et là, pas bon du tout. On verra ce qui se passe. Voilà. Alors, je mets une flèche. Alors, le point, je me suis toujours sentie hors de ce monde, mal à m'incarner. Je n'ai pas d'équilibre avec mon corps. Même quand je fais du vélo, ben des moments, je serais prête à me casser la figure. Depuis toute petite. Hein. Et j'ai du mal à me lever le matin et à gérer ma journée. D'accord. Ce matin, ça a été plus compliqué. J'ai dû me lever plus tôt. Pour te préparer mentalement. Et ouais, c'est ça. Alors, ensuite. J'ai une relation conflictuelle avec ma sœur jumelle. Oui. Qui a toujours voulu me dominer et que je ne vois plus. Okay. Pendant un certain temps, j'avais fait une coupure pendant 7 ans avec elle et ma famille quand j'étais en Allemagne. Okay. Voilà. Oui. Alors, ma fille est née et mon fils ne veut plus me voir. Alors, je voudrais savoir d'où ça vient. Ancienne vie, peut-être, j'en sais rien. Et est-ce qu'ils reviendront vers moi? Est-ce qu'un jour, je les reverrai? Bien. Alors, est-ce que mon père m'a touchée physiquement quand j'étais petite? Ok. Tu as des vagues souvenirs ou qu'est-ce qui te fait supposer ça? Oui, j'ai des... Bien sûr, déjà... sans me toucher physiquement, il a toujours, c'est un homme qui a toujours été très. Il n'était pas très sain, mon père. Quand il est parti, tous on a dit merci, papa, d'être parti. Voilà, ah, on oui, est très content qu'il soit parti. Okay. Voilà, et c'était pas un bon père. Et tu sens qu'aujourd'hui, tu sens qu'aujourd'hui, c'est un blocage pour toi, cet événement qui... Non. Non, parce que mon c'est simplement par curiosité que tu veux le savoir. Je veux savoir vraiment, oui. D'accord. Je me suis toujours posé la question. Ok. Il n'y a pas d'influence dans tes relations, quelles qu'elles soient. Non, parce que je ne lui en veux plus. Il a fait sa vie ici, c'est tout, comme il avait à la faire. Alors, j'ai très peur de me noyer, puis j'ai peur du feu. Je ne sais pas pourquoi. Alors, un gros point là, par contre, c'est par rapport à un héritage. Donc, mon père est parti il y a 9 ans et c'est toujours bloqué à l'étude notariale parce qu'il a mis un testament en place en faveur de mon frère. Dans la famille, on est 6 filles et un garçon. D'accord. Ah oui. Donc, il a privilégié le garçon, c'est ça? Oui, bien sûr. Il a fait un testament. C'est presque mon frère qui récupérerait tout. D'accord. Donc, et là, c'est légal ou... C'est légal. Mais même si c'est légal, c'est sur 7 enfants, on ne peut pas dire qu'on a grand-chose, du coup. Et qu'est-ce qui fait que c'est bloqué? Puisque c'est légal, ça ne devrait pas être bloqué, du coup. Ben parce que nous, on n'est pas toujours d'accord aussi. Vous avez posé un recours, c'est ça pour que... Oui. Ah, et puis après, ça a fait des mésententes entre toutes les sœurs. Donc, on ne s'entend plus beaucoup entre nous. Ça a dispersé la famille. Et en fin de compte, ça a mis à jour tout ce qui nos relations qu'on avait avant. C'est toujours pareil à ces moments-là. Ça remonte. Ça crée des dissensions, c'est ça? Tout à fait. Et c'est compliqué. Donc, je voudrais vraiment savoir comment... Okay. Les histoires d'argent, ça tourne les esprits. Hein. Ben, c'est pas ça. C'est qu'en plus, c'est quelqu'un qui avait... Mon père était un viticulteur qui avait pas mal d'argent, beaucoup de propriétés, en fin de compte. Et là, c'est en train de se mettre en l'air complètement. C'est un truc de malade. Hein. Ma mère paye des impôts et ça n'avance pas. Ok. Voilà.
Alors, ouais, voilà, c'est ça. Et puis la dernière chose, voilà, la dernière chose, oui. C'est en 1999, j'ai fait une NDE. Mais c'était avec mon thérapeute pendant une séance. Et donc, j'ai fait cette NDE après avoir revécu en état modifié de conscience une ancienne vie où je m'étais pendue. Donc, cette ancienne vie que j'ai revue à ce moment-là, un an avant, j'avais été voir une dame canale qui était sur Toulouse et qui m'avait déjà dit, vous êtes toujours relié à cette vie. Écoute, ben, Moi, j'ai revu. on verra si ça sort Voilà. vraiment dans la Oui. séance, c'est que c'est vrai. Enfin, en tout cas, Oui. c'est ce qui est, autrement, on verra Oui, ça. voilà. Voilà, et puis donc du coup, j'aimerais savoir qui est-ce Alors, qui ce que je vais te dire, donc, c'est qu'on ne va pas aller chercher cette vie de pendu, hein, parce Oui, que, par j'ai contre, entendu. si ça sort dans la séance, effectivement, bien, hein, D'accord. ce ne sera pas pour confirmer ou infirmer, c'est simplement pour voir si ça correspond à un problème d'aujourd'hui, effectivement, on va être amené à le voir. Oui, d'accord. Oui. Et puis je voudrais savoir qui est-ce qui me guide pendant une séance de photos. D'accord. Ah oui, Voilà. ok. Voilà, c'est. Ah oui, après, tu as les défunts ou. Enfin, alors deux défunts, et puis tu invites qui Oui, tu veux, hein. le défunt. Donc, mon père. Et puis un ami chanteur qui vient de partir il y a à peu près 3 mois. Et donc, D'accord. j'étais photographe. D'accord. Et ensuite, famille, amis, Alors, les invitations. Oui. Alors, mes 4 enfants. Oui. Et mes 7 petits-enfants. Oui. Et plus spécialement, je peux dire les prénoms pour que... Non. Non? Bah, et plus C'est spécialement. préférable que non, parce qu'après, tu risques de me dire de. Ouais. Alors, Bon. Ouais. de qui tu penses alors? Tu parles de famille ou d'amis? Non, non, là, c'était mes petits-enfants que je te disais, mais tu me dis Non, que mais non. en fait, tu sais, tu peux inviter la famille en général et bien qui veut. D'accord. Donc, si tu peux nommer les plus proches et puis les autres viennent, tu fais une Voilà, invitation globale. c'est ça. Ben c'est, oui, bien sûr, c'est Louise et Gabriel. Voilà, c'est D'accord. un Bon. pour moi. Ok. C'est qui? C'est des petits-enfants? C'est quoi Mes ça? petits-enfants. Ah. Et voilà. Après, bon, mais ma mère, qui est toujours de ce monde, Ouais. mes 6 sœurs et mon frère. Mon ex-époux Ouais. et tous mes amis de cœur, surtout une qui se trouve sur Marmande. D'accord. Voilà. Bien. Eh ben, si c'est bon pour toi, je te laisse couper le son, puis on y va. Allez, je coupe le son. Oui. Ah, c'est un. Alors, maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 30 200. Bien. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Oona et dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a comme une sorte de poids sur elle. Une sorte en forme de demi-coquille qui vient, ouais, c'est ça, c'est une demi-coquille qui, donc il y a une extrémité de la demi-coquille qui vient se raccrocher au niveau du troisième œil, puis ça vient l'entourer complètement. Ça ressemble à une sorte de carapace de tortue en fait, et ça. Et l'autre partie vient s'accrocher au niveau du chakra racine. Et ça vient se déployer comme ça sur les côtés. D'accord. C'est assez. Donc l'élémental de son corps physique est toujours en train de compenser pour soulever cette chose-là et fonctionner
comme si elle n'existait pas, comme si elle n'était pas là. Donc, ça demande un effort, ça vient puiser dans son énergie, dans sa ressource. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème ? Ça lui demande un effort pour vivre l'incarnation. Comme si chaque matin, elle devait faire l'effort, donc justement de se rééquilibrer, de soulever cette chose-là et de consciemment faire l'effort de s'intégrer dans son incarnation actuelle. Ok. Ça explique ses difficultés à se lever le matin, c'est ça ? Oui, à chaque fois, chaque matin, elle doit choisir de se positionner dans l'incarnation. Ok. Que vois-tu d'autre ? Ça demande un effort. Donc, c'est comme une sorte de chape, en fait, qui vient affaiblir ses corps subtils et qui vient abaisser son énergie vitale. Y a une sorte de filet autour de son ventre. Alors, quand je dis autour de son ventre, c'est toute la zone qui s'étend entre le chakra racine et le nombril. Il y a une sorte de bulle transparente, magnétique, froide. C'est comme si toute cette zone-là était sous contrôle, sous une sorte de microscope, quelque chose comme ça, que ça ne lui appartienne pas. D'ailleurs, cette zone-là n'est pas sous l'influence de cette sorte de coquille. C'est comme à part. D'accord. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème ? C'est comme si cette partie-là de son corps ne lui appartenait pas. D'où les problèmes qu'elle a eus ? Elle n'y a pas accès. C'est une sorte de fonctionnement indépendant. Donc les fausses couches, IVG, tout ça, ça fait partie de... C'est ce système qui l'a favorisé ? Oui, parce que ça exerce une influence de type magnétique et froid, quelque chose de... mais froid type acier chirurgical, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle a pu avoir 4 enfants après, alors ? C'était convenu comme ça. Convenu ? Avec qui ? Oui. Il y a des entités de type insectoïde en arrière-plan. Ah, c'est leur spécialité, ça. Une sorte de marché qui a été conclu, 50-50, quelque chose comme ça. Conclu avec Ouna, tu veux dire ? Oui. Ok. Quel type d'insectoïde ? C'est des mantes. Ok. Alors, on va aller voir... quel a été ce marché, à quel moment il a eu lieu, dans quelles conditions. Donc je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Elle leur a laissé l'accès à la condition qu'elle lui ouvre un chemin de libération, une issue facile et sécurisée, une sorte de sas sécurisé dans laquelle elle puisse venir se réfugier. Ok. Et alors, c'est ce qui s'est passé ? Non, puisqu'il y a toujours cette sorte de coquille là au-dessus d'elle. Alors, effectivement, il y a un sas sécurisé, mais qui n'englobe pas tout son corps. Il englobe cette partie-là, donc qui va du nombril au chakra racine. Et sécurisé pour eux, donc. Sécurisé pour ces entités-là. Mais c'est comme si c'était presque à l'extérieur d'elle. Elle n'y a en fait pas accès. Donc, c'est une partie d'elle qui a été sécurisée. Enfin, si l'on peut dire. C'est-à-dire, c'est sécurisé pour ces entités-là, mais pas pour elle. Voilà. Donc, quelque part, c'est un marché de dupes, quoi. Oui. Elle s'en rend compte maintenant que les informations soient
sont visibles. Oui. Très bien. À quel moment a eu lieu ce marché? Où est-ce que ça les amène là? En phase de préincarnation de cette incarnation présente. D'accord, donc c'est récent alors. Okay. Oui. Bien. Alors, si tu continues à scanner, qu'est-ce que tu vois d'autre? Au niveau de sa glande pinéale, il y a comme une sorte de voile qui vient... ça vient troubler ses perceptions. C'est comme, tu sais, quand tu es dans le désert et que tu as cette... à cause de la chaleur, il y a l'image floue et inversée. Comme une sorte de mirage. Ok. Donc, cette sorte de voile qui est autour de la pinéale génère cette atmosphère de mirage ou cette énergie de mirage, non seulement au niveau de la glande pinéale, mais ça vient se déployer et ça vient se déployer comme une sorte d'écran en demi-cercle. Ça part d'une tempe à l'autre et en demi-cercle et ça vient en interaction avec son troisième œil. Ça ressemble à ces sortes d'écrans, tu sais, il y a des sortes d'écrans de cinéma ou de télévision qui sont incurvés, ça ressemble un peu à ça. Ou comme une sorte de casque de réalité virtuelle, c'est un peu ça. D'accord, ok. Donc ça dépend de ses perceptions, ses visions. Oui. Ce poids sur elle en demi-coquille que tu as vu au début, ça a à voir avec ses mentes également, puisque tu as dit que c'est... C'était à part de la bulle transparente. Alors, ça a à voir, oui et non. C'est-à-dire que c'est une aide. Le marché conclu avec ces entités-là était comme une aide pour ne pas subir l'influence et le poids de cette coquille-là. Sauf que cette coquille-là est toujours là et les mentes ont installé leur propre dispositif. Alors, qui l'a installé, cette coquille? C'est-à-dire que c'était avant sa préincarnation, donc. Oui, c'est toujours dans cette phase de préincarnation, mais avant que cet accord soit conclu avec les mentes. Qui l'a installé, alors? Pas qui l'a installé, c'était là déjà. C'est-à-dire que comme si elle se déplaçait, c'est en lien direct avec sa sœur jumelle. Elle se déplace, une sorte de déplacement d'incarnation en incarnation en binôme. C'est pas grave. Oui. Et depuis combien d'incarnations? Alors, c'est difficile à dire parce que c'est en pointillé, c'est-à-dire que ce n'est pas linéaire. Il n'y a pas une suite d'incarnations linéaires avec ce type de binôme. Elle est sur deux... tu sais, quand on parle de boucles, il y a deux boucles qui s'entremêlent. Il y a une boucle où elle est où elle fonctionne en binôme, en quelque sorte, et une autre boucle où elle est seule. D'accord. Et ces deux boucles viennent s'entrelacer, donc ce qui crée des incarnations piquetées, c'est-à-dire que ce n'est pas suivi. D'accord. Donc il y a des incarnations... Donc des vies avec et des vies sans, quoi. C'est ça, il y a des incarnations où elle, où elle est en double, en quelque sorte, et des incarnations où elle n'est pas. D'accord. Bien. Donc, c'est un résidu de cette, on va dire, de cet œuf commun, en gros, c'est ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Alors, c'est la demi-coquille de cet œuf commun dont elle n'arrive pas à se débarrasser. C'est-à-dire qu'une boucle tente de prendre le pas sur l'autre. C'est-à-dire que la boucle où elle est... seule, indépendante, tente de prendre le pas
sur la boucle où elle fonctionne en mode, on va dire en mode dégradé, et en supportant sur elle le poids de cette demi-coquille. Alors on va aller voir donc la toute première fois où, où donc elle est venue en incarnation en binôme. Donc je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Il y a une sorte de cercle, comme une sorte de cercle de confiance. Il y a 8. Alors il y a 8 consciences différenciées qui sont là dans ce cercle de confiance. Ah oui. C'est dans un vaisseau. Il y a une sorte de légèreté. C'est comme si l'atmosphère était vibrante et légère. Il y a une sorte de lumière violette et ça vibre légèrement. Et ces 8 consciences-là sont en cercle, reliées les unes aux autres. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles font là, ces 8 consciences ? Elles sont en discussion d'organisation, de comment fonctionner pour avoir le maximum d'efficacité. D'accord. Ok. Et qui sont ces êtres ? Alors, ils viennent d'où ? Alors, il y a un nom qui vient, c'est Mira, mais en roulant le R et avec une sorte d'accent sur le A, M-I-R-A. D'accord. Et c'est quoi ? C'est une planète ? De quoi s'agit-il là ? Là, il y a uniquement le vaisseau qui se présente. Et il y a une constellation en forme de lyre, c'est-à-dire qu'il y a l'instrument de musique qui apparaît. La constellation de la lyre. Oui. Tout simplement, d'accord. Et Mira est une des planètes ou une des étoiles de la constellation ? C'est une étoile. Étoile, hein. Il y a des vaisseaux qui partent dans toutes les directions. Oui, c'est comme si l'étoile était une sorte de centre d'énergie. De ce centre d'énergie, il y a des vaisseaux qui partent dans toutes les directions, porteurs de cette sorte de vibration et de lumière violette. D'accord. Et donc, en ce qui concerne le vaisseau donc, de Oona, donc, ce cercle de réunion. Quel est leur objectif alors ? Ils veulent fonctionner avec un maximum d'efficacité, pourquoi faire ? Il y a quelque chose de lié à l'équilibre, ou de remettre de l'ordre, remettre de l'équilibre. Et il y a ce fonctionnement en binôme qui a été décidé, c'est-à-dire que les 8 sont organisés en 4 couples, en 4 couples de conscience, pour que l'une puisse prendre, pour qu'une conscience puisse prendre le relais sur l'autre quand l'autre est en phase de régénération. D'accord. Donc ces 4 couples se sont incarnés comme Oona en binôme alors. Oui, les 4 couples de ce vaisseau-là, de ce cercle de confiance-là. Chaque vaisseau forme. Dans chaque vaisseau, il y a ce type de cercle de confiance. Ces vaisseaux partent dans toutes les directions. Celui-ci est venu volontairement là, vers la Terre. D'accord. Mais les autres sont dispersés et dans notre système solaire et même ailleurs. C'est une sorte de production. C'est une sorte de production permanente d'éjection de ce type de vaisseau, de cette étoile. Ok, donc c'est en gros des groupes d'intervention, c'est ça, dans des systèmes et des planètes ? C'est ça, mais dans l'objectif d'équilibrer, d'apporter comme une sorte de souffle nouveau
d'ouverture à haute fréquence. C'est comme des points d'acupuncture qui sont envoyés dans toutes les directions de l'univers. D'accord. Alors, en ce qui concerne le vaisseau d'Ona et les projets donc, qu'ils mettent en place, donc de s'incarner en binôme, de quelle manière est-ce qu'ils envisagent d'intervenir dans notre espace pour obtenir ces résultats? C'est via l'incarnation humaine. Ce système de binôme permet aussi, à l'origine, il était conçu aussi pour préserver la mémoire, pour avoir ce système de veille. C'est-à-dire que quand une des deux consciences donc, est en mode régénération, la deuxième conscience reste en éveil, garde la mémoire, et ensuite il y a échange, il y a passage de flambeau pour garder la mémoire consciente et la conscience éveillée. Ok. Alors, lorsque tu parles qu'il y a une phase de régénération pendant que l'autre est active, en gros, c'est ça? Oui. En ce qui concerne la vie de Ona aujourd'hui, en relation avec sa sœur, qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce qu'il y en a une des deux qui est en régénération ou pas? Non, ça, c'est le système tel qu'il était conçu au départ. Ah. Mais une fois intégrer les roues d'incarnation, tous ces systèmes de binômes se sont fissurés et déséquilibrés. Les quatre. Il y a des facteurs qui n'étaient pas pris en compte, c'est ça, dans exact. Cette matrice. Mm-hmm. Ok, ça fera partie de leur connaissance. Oui. Bien. Combien est-ce qu'elle a eu de vie incarnée sur Terre? Il y a deux boucles qui viennent s'entremêler, donc c'est impossible à déterminer. Ah, d'accord. Si tu comptes le nombre de vies par boucle, alors ça t'en fait combien? Il y a beaucoup de vies. Donc sur parce que ça fait comme une sorte de c'est comme deux sinusoïdes qui viennent parfois se croiser et qui parfois s'éloignent et avec des points comme des points piquetés qui parfois sont rapprochés et qui parfois sont éloignés les uns des autres. Il doit y en avoir environ 200 sur l'une et 300 sur l'autre, quelque chose comme ça. Donc on arrive globalement à 500 incarnations, mais le nombre est approximatif. Bien sûr, on ne cherche pas la précision, hein, c'est pas utile. Bien, juste pour avoir une idée, ce qui est déjà pas mal. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il reste ce morceau de coquille alors qui embarrasse tant Ona? Ça vient d'une des deux boucles. Mm-hmm. C'est ce système binaire qui s'est déséquilibré. À cause de quoi? C'est dès l'entrée dans la matrice artificielle. Donc ça fait remonter à l'entrée dans la matrice artificielle où chacun de ces quatre systèmes binaires est passé au travers de cet aimant puissant et ça a déséquilibré l'organisation interne de chaque système. Et oui, bien sûr. Ça, c'était pas prévu. Non. Bien. Alors, pour leur information, maintenant que nous avons ces informations, je suppose qu'ils sont en train d'en prendre connaissance. Oui. Bien. Alors, j'aimerais qu'ils regardent maintenant, avec ce qu'ils savent et les conditions qui sont les leurs, qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre en place pour éviter ces dislocations, en tout cas ces déséquilibres. De se stabiliser, de rétablir, mais de l'intérieur, le système binaire pour que la séparation puisse s'effectuer en douceur entre les deux consciences. Donc là, c'est dans les quatre couples, on va dire, de ce vaisseau. Mmh. Ce qui permet l'indépendance de chaque conscience. Ok. Alors, est-ce que cette information... Le fait que ce n'ait pas pu avoir lieu a fragilisé
chaque couple déséquilibré est dans une réaction de survie. Chacune des deux consciences de chaque binôme tente d'écraser l'autre pour pouvoir survivre elle-même. Donc c'est une question de survie. Bien. Ok. Voilà pourquoi on a vu cette situation avec sa sœur aujourd'hui. Oui. Très bien. Alors, est-ce que toutes ces informations, est-ce que ces informations sont partagées parmi ces 8 êtres déjà ? Est-ce qu'ils sont en train de prendre connaissance de ça ? Oui. Est-ce qu'ils peuvent en même temps envoyer ces informations, on va dire, à leur origine, à leur étoile, à ceux dès lors, quoi ? Pour qu'ils aient connaissance de comment ça fonctionne, au moins au sein de cette matrice. Oui. Puisque chacun a des paramètres différents. Oui. Voilà, ça fera partie de leur bagage de connaissances. Oui. Bien, alors on revient ici à maintenant. Oui. Et donc, si tu continues à la scanner, est-ce que tu vois d'autres choses ? Donc, il y a deux parts. Il y a la part de cette moitié d'œuf donc, qui est toujours là et qui cause un problème, et l'autre part de ces insectoïdes qui ont fait ce marché de dupes. On est d'accord ? C'est ça. Ça empêche sa connexion directe avec son soi supérieur. Elle l'a parfois, mais en pointillé. Comme si elle devait faire... Elle doit se reconstruire chaque jour. Chaque jour, elle doit reconstruire une situation énergétique, on va dire fonctionnelle, ou qui puisse fonctionner le temps de la journée. Et tout est à recommencer. Tous les matins, elle recommence, d'accord. Donc, si je comprends bien, elle était en quête d'une solution et ça a été une aubaine pour ces insectoïdes. C'est ça. Ils se sont présentés sous quelle forme pour être acceptés ? Des sortes d'êtres de lumière, comme des sortes de guides ou quelque chose comme ça, dont on ne voit pas clairement les contours, c'est-à-dire qu'ils sont vaguement humanoïdes et ils baignent dans une sorte de lumière blanc doré. D'accord, oui, ils sont habiles. Bien, donc elle est en train de prendre connaissance de tout ça aussi ? Oui. Parfait. Et est-ce que tu vois d'autres choses si tu continues à la scanner à l'intérieur, sur et autour d'elle ? Non, c'est tout. Très bien. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, déjà, et s'il y a une part d'ADN qui n'est pas la sienne, ou en tout cas des informations qui ne font pas partie de son essence. Il y a des informations qui sont intégrées, mais à l'intérieur de l'ADN qui est dans cette bulle séparée à l'intérieur d'elle-même et contrôlée par ces entités mantis. Quel type d'information ? Une partie d'ADN insectoïde. D'accord, mais qu'est-ce que ça les cause comme problème ? Ça vient la décentrer, c'est-à-dire que ça l'empêche de se stabiliser, ça empêche de stabiliser jusqu'au niveau cellulaire, ça l'empêche de trouver un équilibre intérieur. D'accord. Ça, c'est ce qu'elles font volontairement ou c'est une conséquence simplement de ces inclusions ? C'est une conséquence, l'élémental de son corps physique. Rejette ce qu'il ne reconnaît pas. Ça crée des réactions de rejet. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Très bien. Est-ce que c'est le moment d'éliminer ces informations insectoïdes ou pas dans son ADN ? Comme si ça allait se retourner contre elle. Donc, ce n'est pas le moment. Non. Ok. Nous verrons ça tout à l'heure. Alors, en son nom, puisqu'elle me donne son accord, je vais donc convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle
jusqu'au plan archaïque. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes visibles. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces insectoïdes, qui vois-tu d'autre? Il y a des gris de petite taille qui viennent la visiter régulièrement pour vérifier. Alors, c'est vérifier les installations. La maintenance, quoi? Oui. Pour les mantes? Oui. Ok. Qui d'autre alors? Il y a aussi des entités de type démoniaque qui viennent rôder autour d'elles. Il y a comme des sortes de... Et qui viennent libérer comme des sortes d'impulsions électriques parce qu'elles tentent de... C'est comme si elles lançaient des sortes de harpons. C'est ça qui génère comme des sortes d'impulsions électriques pour venir s'accrocher à elles. Mais c'est rejeté par cette sorte de quelque chose de magnétique mis en place par les dispositifs des mantes. D'accord. Est-ce qu'elle lui cause des problèmes quand même, malgré tout, ou pas? Ça vient la déséquilibrer, la décentrer. D'accord. C'est comme si elle était poussée, ballottée, énergétiquement parlant. Qui vois-tu d'autre? Directement en intervention sur elle, c'est tout. Mmh. Et en arrière-plan, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Bien. Tu ne vois pas de parasites à l'intérieur d'elle? Pas de parasites en tant que tels, mais comme des déchets énergétiques qui sont liés à son combat intérieur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'élémental de son corps essaye toujours d'être en compensation et toujours en lutte d'équilibre. Ça génère une dépense d'énergie qui elle-même génère des déchets énergétiques, comme des sortes de poussières, et qui restent là. Mais qui restent là, ces déchets énergétiques, ils sont bloqués au centre d'elle-même, c'est-à-dire au niveau, c'est au niveau du plexus solaire. Ça lui cause quel problème, ça? Ces déchets sur le plexus, hein? Ça crée des déséquilibres. Ça crée des déséquilibres, alors, et dans son système digestif, et dans sa régulation de ses états intérieurs, de ses états d'anxiété. Ça vient gêner le fait qu'elle puisse s'équilibrer, ressentir le bien-être et la tranquillité. Très bien. Et c'est comme si c'était aussi une sorte de coup de poing ou quelque chose qui est là de lourd et qui vient là. C'est comme la même sensation que quand tu as tu reçois un coup de poing là dans cette zone là au niveau du plexus solaire au niveau de l'estomac. Donc c'est lourd et douloureux alors. C'est ça, et ça l'empêche de respirer aussi, ça crée de l'anxiété. Qu'est-ce que ça a à voir avec son asthme? Oui, l'asthme, il a deux causes. Oui. Lesquelles? Donc il y a cette cause-là, c'est-à-dire c'est résister à cette pression. C'est une réaction par rapport à l'anxiété. Oui. Et c'est toujours lié à l'anxiété, c'est par rapport au poids, c'est en résistance par rapport au poids de cette coquille qui est sur elle. D'accord. Ok. Alors, donc, elle va déclarer à tout ce petit monde, et bien sûr à l'attention de ces déchets et de cette coquille, évidemment, hein, tout va disparaître, qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non,
de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes lignes de temps, toute fréquence, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps et énergie et conscience d'origine, vu et pas vu, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. On la met dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa et inspire énergie, substance et vitalité. Oui. Elle se connecte à son essence et fait descendre énergie, information originelle, conscience, puissance créatrice, amour. Et elle se rééquilibre. Elle reprend de la conscience, de la vitalité, de l'énergie. Oui. Comment la vois-tu à présent ? C'est beaucoup plus léger et stabilisé dans tout son espace énergétique. Alors à présent, scanne-la et regarde s'il reste quelque chose quelque part, dans toutes les dimensions et toutes fréquences, et dans tout intérieur, extérieur. Oui, il y a quelque chose de replié et de dissonant à la base d'elle-même. Est-ce que ça va avec l'ADN ? Oui. Bien. Est-ce que c'est le moment d'éliminer ? Maintenant, oui, c'est possible. Alors, on élimine avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal, et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle le remplace avec sa propre essence. C'est fait. Bien. À présent, scanne-la et regarde s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Au niveau de la coquille, est-ce qu'il reste quelque chose ? Non. Regarde maintenant dans les résonances, les échos, les réminiscences. Oui, il y a des résonances et des échos à l'extérieur, en arrière-plan. Ok, alors on élimine tout ça depuis leur source, comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. On regarde s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Bien. Alors, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quel état il est. Il est sur le plan moronciel, mais il y a quelque chose de préoccupé. Ah, tiens, un sens supérieur manière. Préoccupé. Parce qu'il est en cours de descente de ce plan moronciel. C'est comme s'il était à la limite. C'est-à-dire qu'il n'est pas serein et juste en observation. Il est comme attiré vers, on va dire, vers la vitre inférieure ou vers la limite intérieure de ce plan-là. Il est attiré ou il est en phase d'intervention ? Non, il est comme aimanté. Et aimanté par cette préoccupation-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Il est en déséquilibre dans ce plan-là. Et il y a déjà comme des sortes de couches de matérialité qui sont en train de se former, mais qu'il ne maîtrise pas. Alors, tu veux dire qu'il est dans une espèce d'inquiétude, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et comment est-ce que, du plan moronciel, il est tombé dans l'inquiétude, alors que de cet espace-là, il y a plutôt de la distance ? Oui, il y a de la distance, mais justement, il est en train de perdre cette distance, puisqu'il est attiré vers, on va dire, les zones basses ou inférieures de ce plan-là, et qui a des couches de matérialité d'inquiétude qui sont en cours de formation, qui ne sont pas complètement créées, mais qui sont là en train de flotter comme des sortes de vagues.
Donc l'inquiétude est une conséquence. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit attiré par le bas alors? Il y a plusieurs projets déployés en même temps et qu'il n'arrive pas à gérer. D'accord. Plusieurs projets de matérialité dans des directions différentes avec... ça ressemble à de la perte de contrôle. Ok. Il va dire que c'est une expérience intéressante. En remontant au-dessus, oui, mais là, il est en train de... Il est plutôt dans une dynamique de descente. Bien. Ok. Et donc, c'est quand tu dis qu'il a plusieurs projets, est-ce que la sœur d'Oona fait partie de ces projets? Elle en fait partie, oui. D'accord. Donc, c'est une situation qui... Pas elle, précisément. C'est la situation en fait partie. D'accord. OK. Donc, il y a d'autres incarnations en cours, c'est ça? Ou d'autres manifestations de lui, quelque part? Oui. Sur Terre également? Non, pas sur Terre. C'est celle qui est sur Terre qui déséquilibre les autres. Est-ce que c'est la situation d'Oona avec sa sœur qui crée ce déséquilibre? Pas seulement. C'est une première situation déséquilibrée qui a entraîné une couche supplémentaire de déséquilibre avec l'interférence des mantides. Ok. Et quelle est l'autre situation alors ? Ça crée une double situation de déséquilibre. Ah d'accord, donc il y a la première situation de cet œuf commun et la deuxième situation avec ce déséquilibre des mantoïdes, c'est ça? C'est ça. Bien, ok. Alors maintenant qu'on a éliminé tout ça, est-ce que tu vois que le soi supérieur est libéré ou pas? Ça l'a détaché de ces couches d'inquiétude qui commençaient à se former. Est-ce que ça lui permet de remonter ou pas? Pour l'instant, il est stationnaire. Il est toujours sur le plan moronciel, mais dans les plans, on va dire les plus... Je ne sais pas comment dire ça, les plus bas de ce plan-là. D'accord, oui, sûrement qu'il y a des graduations. Bien. Alors, est-ce qu'il est en état quand même de prendre des décisions ou pas? Oui. Alors, est-ce que... Alors d'abord, avant tout, dis-moi comment tu vois son âme. Elle s'est repliée sur elle-même, mais repliée une première fois, repliée une deuxième fois, repliée une troisième fois, jusqu'à arriver à une sorte de concentration qui vient l'immobiliser. Elle est en train de nous faire un millefeuille là. Quelque chose comme ça, mais tu sais, c'est comme quand tu as une feuille de papier, que tu la plies, tu la replies. Oui, la je vois bien, oui. Oui, comme les mille feuilles. Bon, c'est de l'humour. Hein. Comment tu vois sa partie subliminale? Elle est en déséquilibre, elle est dans une sorte de filet retenu artificiellement à la partie physique. C'est toujours les mantas? Oui. D'accord, ok. Bien, alors, puisque son soi supérieur est à même de prendre des décisions, on va lui demander s'il est adéquat de partir du plan moronciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, donc pour Oona, avec l'accès à son plein potentiel intérieur et à l'amour qu'elle est. Ah oui. Très bien, alors on y va. 1, 2, 3. Oui. Donc, je suppose qu'elle sait pourquoi nous sommes là. Oui. Je propose d'aller directement à l'orée de son incarnation en tant qu'Oona pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors, on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par les conditions de la fausse matrice. 1, 2, 3.
Oui. À présent, demande-lui quels sont ses projets sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions. D'évoluer dans la légèreté et la pleine communication avec son soi supérieur. Ok. Est-ce que c'est bon? C'est tout? Oui. Ça lui permettra de faire quoi? Ça lui permet d'ouvrir les portes entre les différents plans. Et quand elle ouvre ses portes, elle s'ouvre non seulement pour elle, mais aussi pour d'autres consciences humaines qui sont sur le même type de fréquence qu'elle et qui sont susceptibles de se syntoniser avec l'ouverture de ses portes. Très bien. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception. Bien. À quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à son essence? 97%. Parfait. Alors, tu lui proposes de monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Bien, à présent, on va regarder son arbre généalogique. Avant tout, j'aimerais que tu regardes s'il y a des programmations limitantes dans son arbre ou des dysfonctionnements qui demandent à être traités. Une sorte de contrôle, une sorte de, c'est comme si tout l'arbre était dans un tube de verre sous contrôle. D'accord. Qu'est-ce que ça crée comme problème au sein de... On va dire des désincarnés. Ça vient limiter les possibilités des consciences incarnées. Elles sont comme c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui était rigidifiée parce que rattachée contre leur gré à cette danse, cette sorte de tube de verre. C'est Demande à comme la conscience. si une partie de chaque conscience était volée, des informations étaient volées et récupérées à l'intérieur de ce tube de verre. Qui est à l'origine de ce tube de verre? Les mantes. Toujours. D'accord. Donc elle contrôle toute la lignée. Oui. Demande à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir pour résoudre cette situation. Oui. Très bien. Alors il y a deux solutions. Ou on dissout directement le tube de verre, ou alors on part à la source pour empêcher que ça ait lieu. Quelle est la meilleure? Dissoudre le tube de verre. Ok. Est-ce que la conscience de l'arbre, maintenant qu'elle est informée, peut le faire elle-même? Oui. Alors qu'elle le fasse. Qu'est-ce qu'elle fait pour Ça ça? y est. Il y a une sorte d'expansion de conscience qui se produit et qui vient dissoudre la structure même de ce tube de verre. Bien, alors on va rajouter une couche à notre manière. Nous allons connecter à présent l'arbre à la source. Et dis-moi ce qui se passe. Une sorte de rayon de lumière, mais qui vient de la conscience de l'arbre elle-même, et qui grandit, qui s'expande et qui prend de la puissance. Bien, alors on va regarder l'impact que ça a sur la lignée, en particulier sur Ona. On regarde l'impact que ça a sur elle. Et bien sûr, sa descendance. Il y a une puissance et une liberté intérieure qui sont là et qui se déploient. Et qui empêche toute tentative d'interférence. Bien. Alors, elle va enrouler son arbre d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. À présent, que décide-t-elle de faire avec cet arbre? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut le réaménager, le ré-réinformer ou transmuter ou autre? Elle s'en détache à 50% et pour la partie restante, elle réinforme et elle transmute. Tu me dis lorsque c'est fait? C'est fait. Bien. Maintenant, son ADN. Que décide-t-elle de faire? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement, réaménager, transmuter ou réinformer, etc. Elle le refait.
Alors on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle le refait à 9 avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. Oui. Bien, combien est-ce que tu vois d'hélices ? De présente, combien connectées et activées ? Il y en a 8 qui sont connectées et 6 d'activées. Peut-elle activer les deux autres ? Oui. Ok. C'est fait. Est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes ? Elle vient enrichir les programmes déjà présents et les relier les uns aux autres. Quelle différence ça va faire pour elle tout ça ? Ça met en place son indépendance énergétique. Et c'est le garant de sa stabilité. Bien. Alors on va éliminer les programmes archontiques. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça ? Tous les programmes de limitation, de séparation, de dualité, tout ce qui limite l'expression d'expérience et l'expression humaine. Oui. Alors on élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Elle les remplace avec ses propres programmes et avec sa propre essence. Oui. Elle va enrouler son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Maintenant, elle va remonter sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là, à son naissance ? 83%. Donc elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines. C'est fait. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement. Elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, bien sûr de sa nature originelle, et dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, et bien sûr l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, on élimine l'ancienne ligne de temps, avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. Elle déclare pour cela que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Ah oui. Bien. Alors, je vais conseiller à Ona d'être pleinement présente et participative de tout le processus, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et puisque cette vidéo sera diffusée, donc j'invite le public à en profiter pour chacun, à adapter à sa propre situation, bien sûr. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, alliance, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité, donc dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous allons procéder à l'annulation de toutes les programmations d'auto-sabotage, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit, dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être,
qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Maintenant, vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Ce n'est pas des copies, c'est des informations qui sont entreposées, qui sont comme découpées, dépliées, comme mises à plat et entreposées. Il s'agit des portions de son ADN, je suppose. Oui. C'est les mantes. Oui. Ok. Elles s'en sont servies, est-ce qu'elles ont fait des... on va dire des hybridations avec son ADN. Oui, elles ont tenté de le faire, mais ça n'a pas fonctionné comme ça, comme elle l'espérait. Très bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non. Très bien. Alors, on intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui, c'est fait. Elle déclare, pardon, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Ona, tout y est proposé. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le « je » dans la forme n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. « Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent
de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, etc. C'est pas exhaustif. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et surtout en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et donc fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement co-créatrice de ma réalité, donc responsable. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement et entièrement, en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre et que j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. Maintenant, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. À présent, vérifie s'il y a quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïques ou quelque autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Très bien. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps, comment le vois-tu de ton côté? C'est sa Merkaba qui apparaît. Elle tournoie doucement et elle vient créer les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Tu me dis lorsque c'est fait. C'est fait. Bien. Donc elle demande à son élémental de procéder à l'harmonisation, réharmonisation, équilibrage, réajustement de tous ses corps, de sa biologie, tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous allons connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps. Donc, à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui.
éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Là, c'est pareil, tu sécurises. Oui. Installation d'un programme anti-ondes et fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui. Un programme contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un programme contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un autre contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Un programme contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un programme contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et un autre contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Ah oui, c'est fait. On stabilise tous ces programmes et on les sécurise. Indestructibles. C'est fait. Que chacun soit adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes de temps. Oui. Elle installe et active dans les deux sens l'arbre de création. Ça. Oui. Installation de l'arbre de création, donc avec activation dans les deux sens. Ah oui, c'est fait. Voilà. Installation de fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Ah oui. À présent, elle active son code de vie. Elle, du moins, elle crée son code de vie et l'active. Oui. Et donc, on sécurise l'ensemble. Oui. Maintenant, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, etc. sur tous les plans, comme précité, pour chacune des parties. 1, 2, 3. Oui. Bien. Je veux que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance et vitalité. Oui. Et à son essence pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. Elle vient déployer une bande, ça ressemble à une bande de lumière. C'est une bande fréquentielle à haute fréquence qu'elle déploie autour d'elle en un espace sécurisé de forme ovoïde. Elle vient se placer à l'intérieur, au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient dégager et ça vient libérer cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinformer, réinitialiser chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles dépendent. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente, arrivée à la hauteur du coccyx. Elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches sombres, lourdes, collantes. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale donc jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Je présente à son élémental l'ensemble des systèmes principaux desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. De son côté, il va procéder par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur tous les plans comme précité pour chacun des systèmes. Oui. Elle recrée à neuf chacun des systèmes avec le gabarit de l'arbre de création dans la version originelle. Oui. Et que chacun soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Système cérébro-spinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Et énergétique des méridiens.
Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glande immunitaire, hormonale. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Alors, pour le système extrasensoriel, que chacun des canaux soit donc protégé et sécurisé. Et ensuite activé. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec le tableau général, Oui. système bio-électrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason de lumière sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça crée des micro-mouvements dans tout le corps, des vibrations fines, pulsations jusqu'au cœur des cellules. Ça vient résonner, retentir dans toute sa physicalité, dans chaque organe, système, dans chaque membre jusqu'aux extrémités, dans tous les tissus, dans tous les muscles, les tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. Ça vient libérer les. Ça vient libérer des. Rétablir en fait des déséquilibres, libérer des tensions et mettre en place de nouveaux équilibres stables dans toute la physicalité. C'est bon. Micro-kiné. Elle vient actionner les points de concordance et ça vient déployer ces corps subtils en harmonie. C'est bon. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Système des chakras et des glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Nettoyage, décalcification, nettoyage donc des glandes. Hein. Donc que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, interreliée, activée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien, Oui. les corps associés aux chakras principaux, combien comptes-tu? Il y en a 9 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Tu sécurises l'ensemble? Oui. Bien, maintenant on va travailler sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Elle rééquilibre les polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien,
Pendant que son année mentale continue le travail, nous allons prendre sa liste, qui, je le rappelle, concerne l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Le premier point qu'elle a évoqué, c'est au niveau de son asthme. Donc, voilà, depuis l'âge de 12 ans. Donc, en même temps, elle est allergique aux poils de chat, etc. Regarde donc à quoi c'est dû, en plus de ce que tu as vu. Est-ce que tu vois d'autres choses ? Non, c'est ce qui a été vu précédemment. Bien. Alors, est-ce que, avec ce que nous avons fait, déjà, ce qu'on va faire, on va traiter la biologie globalement, d'accord ? Donc, dans tout ce qui est dissonant, tout ce qui est qui n'est pas en santé, tout ce qui est voilà, qui n'est pas ça, on va éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, traumatisme, habitude de fonctionnement et autres. Tu me dis quand c'est bon. Pour toute la biologie. C'est bon. 1, 2, 3. Oui. Parfait. Alors maintenant, on va réinformer chacune des parties à stabiliser. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. C'est fait. Bien. Et son élémental peut insuffler de l'énergie et de la vitalité pour chacune des parties dans les 12 nécessaires. Oui. Alors, on revient à son asthme maintenant. On regarde avec ce qui a été fait jusqu'à présent, si tu vois quelque chose à faire encore. Ou s'il reste quelque chose. Donc, il n'y a plus de traces, il n'y a plus de traumatisme, il n'y a plus d'empreintes, mais il faut qu'elle... qu'elle stabilise l'état présent en faisant un apport d'énergie vitale qui vient, c'est comme s'il y avait des trous à réinformer, donc cette énergie vitale remplit ces trous informes, ces sortes de zones blanches et vient équilibrer l'ensemble. Ok, qu'elle le fasse et stabilise. C'est fait. Bien. Il n'y a pas d'écho, résonance et autres. Non, il n'y a plus rien. Très bien. Tu vois autre chose à faire ? Non, c'est bon. Bien. Est-ce que tu vois que l'allergie au poil de chat, par exemple, disparaît avec ou il s'agit d'autre chose ? Non, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Bien. Donc, ça disparaît avec alors ? Oui, c'est la... L'allergie au poil de chat, c'est une réaction de l'élémental, une réaction de rejet de l'élémental du corps physique à ce qui n'est pas humain, ce qui n'est pas d'origine humaine. Très bien. Est-ce que tu vois qu'il reste une programmation ou une habitude de fonctionnement ? Il reste des mémoires d'habitude de fonctionnement. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Ah oui, c'est fait. Bien. Alors, elle est venue au monde avec un strabisme, donc elle a été opérée, hein, et puis elle a fini par de la vue, donc suite au vaccin à 12 ans. Regarde si c'était la conséquence de ce vaccin et s'il en reste quelque chose et pourquoi c'est arrivé comme ça. Pourquoi elle est venue au monde avec ce strabisme ? Alors, le vaccin, il est venu élargir une brèche ou activer une brèche déjà ouverte. Le strabisme, il est directement lié à cette sorte d'écran courbé qui va d'une tempe à l'autre, qui appuie sur le troisième œil et qui vient exercer une pression sur tout le système oculaire. Bien. Alors, est-ce qu'il reste là sur cette nouvelle ligne de temps ? Est-ce qu'il en reste quelque chose ? Non, il n'y a plus rien. Même pas écho-résonance ? Il y a de lointaines résonances, comme des images lointaines, mais ça flotte en dehors d'elles. Il faut les éliminer quand même. Donc on élimine tout depuis leur source. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Est-il besoin de réinformer son système visuel et tout le système sensoriel en fait, y compris neuronal, y compris nerveux, etc. Oui, c'est comme s'il y avait une actualisation à faire de sa cartographie interne.
de tout son système visuel et ORL. Très bien. Alors allons-y et on stabilise. C'est fait. Très bien. Tu vois autre chose à faire? Non, c'est bon. Bien. Donc, elle a une syphose, donc, c'est-à-dire elle a un dos rond. Regarde d'où ça vient. C'est la manifestation dans le physique de cette pression énergétique, de cette demi-coquille sur elle, comme une carapace. D'accord. Et est-ce que maintenant, tu vois qu'il en reste quelque chose ou pas? Il n'y a plus rien. Est-ce que les centres élémentaires peuvent faire en sorte de redresser sa colonne? Oui, il y a un apport d'énergie vitale puissante qui se fait. Est-ce que tu vois autre chose qui pourrait être faite encore? Non, c'est bon. Très bien. Donc, elle stabilise tout ça et pérennise. Oui. Bien. Donc, elle a eu des IVG, deux fausses couches, etc. Quatre enfants après. Bon, on a vu ce qui s'est passé. Donc, une descente d'organes également, avec un retrait d'utérus. Pourquoi est-ce que le médecin, le chirurgien, a retiré l'utérus malgré son avis? Il a été comme inspiré ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si ça, je parle du chirurgien, c'est comme si sa conscience et sa volonté avaient été mises de côté. Une sorte de programmation mentale, une sorte de contention mentale pour que puisse passer et prendre la place, l'intention démonte. D'accord, ok, très bien. Donc ça s'est fait malgré lui. Oui, il n'en a même pas été conscient. Et il a dû le réaliser après, quoi, c'est ça? Oui, ça s'est fait de telle façon que ce qui n'était pas prévu au départ, il y a eu comme en cours de l'opération chirurgicale, il y a eu la mise en place ou différents éléments qui se sont présentés qui n'étaient pas prévus au départ, et comme une sorte d'aiguillage où il a été entraîné presque comme malgré lui à le faire. C'est vrai que les mentes dans leur domaine de compétences, ça comprend le plan mental et le plan matriciel. Hein. Donc, ok. Bien, voilà. Donc, elle a quelque chose qui détruit son estomac, donc ce candidat, albicans, donc un virus ou un champignon, je ne sais pas, peu importe. Regarde si, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il en reste quelque chose? Alors, il n'y a plus rien, mais il y a comme une zone de vide qui va être recomblée par cet élément-là si elle ne le remplit pas elle-même par autre chose. Et alors, c'est ce qu'elle va faire maintenant. Elle le remplit avec sa propre énergie et ses propres informations. Oui, c'est fait. C'est de l'énergie pétillante. Et on stabilise. Bien. Donc, ce qui veut dire que si ça pouvait être réactivé, ça veut dire que c'est encore présent, quelque part, ce virus ou champignon. Des mémoires, oui. Mémoires. Alors, on va les éliminer. Donc, partout où elles se trouvent, 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Très bien. Est-ce qu'il y a besoin de réinformer l'ensemble ou pas? Non, c'est bon. Apport d'énergie, de vitalité? C'est fait. Bien. Alors, donc, autre point, démangeaison anale. Donc, depuis 4 ans, on regarde qu'est-ce qui se passe. D'où ça vient? C'est la mise en place automatique du système d'énergisation de cette sorte de bulle. C'est comme si c'était le comme une sorte de prise électrique, c'est-à-dire que l'alimentation en énergie se fait par là et c'est activé. C'est comme quand tu ressens un courant électrique léger, c'est un peu similaire.
et ça vient activer, donc c'est branché sur son chakra racine, et ça vient activer cette bulle, gérée par les menthes. Est-ce qu'il en reste quelque chose maintenant ? Non, maintenant il n'y a plus rien, mais il y a une sorte de trou énergétique. C'est une sorte d'empreinte ou de mémoire qui est là au niveau du chakra sacré. Ok, donc en plus de ça, est-ce que tu vois qu'il reste des résonances éventuellement ? Oui. Oui, très bien. Donc on va les éliminer depuis la racine. Et est-ce que tu vois qu'il reste des habitudes de fonctionnement ? Non, il n'y a pas d'habitude de fonctionnement. Bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité, et partout où ça se trouve. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. Besoin de réinformer ? Oui. Réinformer, instabilise. C'est fait. Besoin d'énergie, énergie vitale ? Non, ça se stabilise tout seul. Ça viendrait en déséquilibre s'il y avait un apport supplémentaire. Bien. Alors, elle a des difficultés avec l'argent. Regarde, elle a toujours été en mode survie. Regarde à quoi c'est dû. C'est parce qu'elle était en mode survie d'un point de vue énergétique, avec toute son énergie vitale occupée à ne pas se laisser aspirer, écraser par sa situation énergétique. Donc c'est le retentissement sur le plan physique. D'accord. Jusqu'à la coupure de l'énergie, donc de l'abondance, c'est ça ? Oui. Comme elle est occupée à se protéger ou à se maintenir, donc elle ne l'est pas à recevoir l'énergie de l'abondance. C'est ça. Bien. On verra ça tout à l'heure. Alors, donc, quand elle dit qu'elle se sent hors de ce monde, que son corps est maladroit, etc., est-ce que tu vois d'autres explications que celles que tu as vues ? Elle ne se sentait pas à l'aise dans sa physicalité, mais en raison de sa situation énergétique, déséquilibrée, complexe. Et du fait qu'elle a été dépossédée aussi de sa partie... C'est ça, c'est comme si elle avait été repoussée à l'extérieur de son corps, avec toute une partie de son corps dont auquel elle n'a pas accès, auquel elle n'a pas le contrôle. Bien. Est-ce que tu vois que maintenant, elle va être bien dans son corps et s'y sentir à l'aise et intégrée ? Maintenant, oui. Bien. Très bien. Alors, avant de continuer, on va regarder son corps mental, vu que tu vois toutes les programmations limitantes avec les croyances qui en découlent. Dans le corps mental, il y a une sorte de dispositif comme une sorte de plafond trop bas qui l'empêche, et des parois trop resserrées qui l'empêche de se redresser et qui l'oblige à se rétrécir elle-même pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc elle ne fonctionne, ça l'oblige à fonctionner à moitié de son plein régime. D'où également sa courbure du dos, je suppose. Oui, c'est lié, c'est la manifestation, ça fait partie de la manifestation sur le plan physique. Bien, regarde les croyances qu'elle a développées à partir de ça, les croyances limitantes, bien sûr. Que tout ne vient pas naturellement, qu'elle est obligée de faire des efforts, qu'elle est obligée d'être toujours, de se tenir toujours sur le fil du rasoir pour avoir la bonne information, pour avoir la bonne intuition. Il y a une sorte d'état d'anxiété et d'inquiétude, mais nécessaire à sa survie. Bien. Maintenant qu'elle, avec tout ce qu'elle sait à présent, quelle est son opinion maintenant ? Quelle est sa vision ? Sa vision maintenant est bien au-delà de toute cette situation-là dont elle aperçoit le côté inextricable.
et qui s'était mis en place parce que elle n'a pas réagi, elle a laissé faire, elle a consenti, mais ce avant l'incarnation présente. Tu parles du fameux accord? Oui. Mais elle l'a fait par ignorance. Oui. Maintenant, elle sait. Oui. Très bien, c'est ce qui compte. Toutes tes expériences. Bien, regarde les émotions maintenant, regarde son corps émotionnel et toutes les émotions et les sentiments qui sont inhérents. Il y a des émotions de colère et de rébellion par rapport à sa situation. Des sentiments d'anxiété, d'être en insécurité parce qu'elle ne maîtrise pas sa propre situation énergétique et elle ne comprend pas et sans comprendre ce qui se passe en arrière-plan. Donc ça aussi, ça génère de l'anxiété, c'est-à-dire quand tu ne sais pas contre quoi ou pourquoi tu te bats ou pourquoi tu te maintiens toujours en état d'éveil. Donc ça lui prend beaucoup d'énergie. Et toujours ce mode réactif qui est là exagéré, mais qui correspond aussi au mode réactif de sa physicalité par les allergies. Bien. Alors bien sûr, il s'agit de l'ancienne ligne de temps pour mieux te connaître dans l'ancien fonctionnement. Alors, regarde au niveau des cinq blessures, donc ce qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Dis-moi lesquelles sont prédominantes chez elle et comment elle s'exprime. Elle ressent une injustice profonde de se trouver dans cette situation-là où elle se sent bridée, bloquée, coincée. Elle se sent rejetée, seule et abandonnée. Comme seule et abandonnée au milieu des humains, quelque chose comme ça. Elle se sent trahie par son soi supérieur avec lequel elle a de la difficulté à établir le contact. Et elle ressent l'humiliation de sa condition humaine diminuée parce qu'il y a une partie d'elle qui sait qu'elle n'est pas que ça, que sa conscience est bien au-delà de l'identité humaine. Très bien. Donc, quelle sorte de masque compensatoire tu vois qu'elle a porté? Elle s'est établie comme des sortes de règles rigides auxquelles elle se raccroche, qui lui servent de bouclier. Donc, c'est des boucliers. Oui, c'est des boucliers de protection rigide qu'elle a édifiés autour d'elle, au-dessus et en dessous. Mais en même temps, ça vient la limiter, ça vient limiter et brider sa créativité. Parce que pour ouvrir la porte de sa créativité, elle est obligée d'ouvrir des brèches. Et ça représente un danger et ça génère de l'anxiété. Donc elle le fait et elle referme. Elle le fait et elle referme. Donc une sorte d'état d'anxiété qui revient par vague au fur et à mesure de ses ouvertures et de ses fermetures, de ce qu'elle s'autorise à ouvrir comme brèche ou pas pour pouvoir accéder à sa créativité. Bien. Alors à présent, elle va prendre conscience de ses connexions avec ses parties supérieures et sa source. Je veux qu'elle fasse descendre énergie, donc conscience, puissance créatrice, amour, information originelle, une puissante énergie qui descend et qui la touche dans son cœur et au cœur de ses cellules et de tous ses corps. Dis-moi ce qui se passe pour elle. Et une grande respiration qui se met en place, une respiration d'ouverture, de libération et d'expansion, accompagnée d'une sensation, de sentiment de bien-être profond, de plénitude et de joie intérieure. Qu'en est-il alors de ses émotions et ses sentiments ?
tout vient se placer en équilibre. Tout vient se réorganiser. Tout ce qui est négatif, trop lourd, trop dense, se dissipe. Et l'ensemble de son corps émotionnel vient s'équilibrer en accord, il vient se syntoniser en accord avec le corps mental. Bien. Alors, je veux maintenant que nous partions de la source pour savoir comment elle vit cet événement que nous appelons séparation dans ses nouvelles conditions, avec sa nouvelle vision et ses ressentis. Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de garder en elle la mémoire de son essence divine, de ce qu'elle est originellement, dans toute manifestation d'elle-même, dans tout espace-temps. Alors, que lui fait ressentir ses perspectives maintenant, ces nouvelles conditions qui s'ouvrent à elle au sortir de la source ? C'est coloré, il y a beaucoup de nuances. Il y a beaucoup de nuances lumineuses et colorées. Il y a quelque chose de vif, de joyeux. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie à l'idée d'expérimenter tout ce qui se présente devant elle. Bien, alors elle reste en contact avec tout ça et elle l'intègre ici et maintenant dans sa physicalité. En réinforme son élémental, son mental ego, toutes ses parties, conscience cellulaire et autres, tous ses corps. Oui. Elle le ressent comme une souveraineté, une liberté et une autonomie intérieure, une unité, une puissance créatrice illimitée, et bien sûr l'amour qu'elle est. Oui. Elle ressent pleinement sa nature éternelle, un être divin dans une expérience humaine parmi d'autres. Oui. Elle ressent cet amour qu'elle est par nature, dans une espèce de puissance tranquille. Oui. Maintenant, elle va passer par chacune des vécues sur Terre et ailleurs, jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme à ce nouveau regard, cet état d'esprit, cette connaissance et ses ressentis. Oui. On revient ici et maintenant, la boucle est bouclée. Oui, elle est là. On stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Comment tu la vois à présent ? Tranquille, il y a une plénitude intérieure, une joie intérieure. Bien. Alors, maintenant, on va parler de la relation conflictuelle avec sa sœur jumelle, avec ce qui a été fait et compris jusqu'à maintenant. Comment est-ce que tu vois cette relation ? Il reste des liens toxiques à couper. Ouais. Alors, on va en profiter pour faire tous les liens. Ceux avec elle, bien sûr, mais tous les liens, tu répertories tous les liens existants sur tous les plans. Et donc, nous allons les couper et dissoudre toutes les racines. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 1, 2, 3, sur tous les plans, comme précité. C'est fait. Regarde maintenant comment ça se passe. Elles sont chacune de leur côté dans leur individualité. Très bien. Donc, sa sœur sera invitée tout à l'heure pour le travail. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait que sa fille aînée et son fils ne veulent pas la voir ? Regarde. Donc, elle a 4 enfants. Il y a ce refus d'entrer dans cette programmation de la lignée et d'entrer dans ce programme de contrôle mental imposé par les mentes. Bien. Alors maintenant que ces conditions sont changées, demande-leur s'ils accepteront tout à l'heure de participer, de profiter de cette séance qu'elle leur offre. Oui. Très bien. Donc ils seront invités et s'ils veulent avancer eux-mêmes, ils auront, on va dire, tout intérêt à en profiter. Bien, autre point, donc elle pense avoir eu de l'attouchement par son père, des attouchements. Regarde si ça correspond à une réalité ou pas. C'est une mise en condition. C'est-à-dire ? C'est une mise en condition de
de sa soumission et de sa docilité. Et c'est une imprégnation. Donc le père a été utilisé pour mettre en place cette imprégnation. Comme le chirurgien, quoi. Oui, c'est ça. Par les mentes. Oui. Et donc le but était de la mettre dans la soumission, oui. C'est ça? C'est ça, de qu'elle laisse ouvert le passage pour la mise en place de leur dispositif. Et sur sa matrice et dans toute cette zone entre l'ombilique et le chakra racine. Ok, voilà. Bon, maintenant elle sait. Donc son père sera, on ira voir tout à l'heure son père. Qu'est-ce qui fait qu'elle a peur de se noyer et la peur du feu? D'où ça lui vient? C'est des réminiscences de vie antérieure, des réminiscences de mémoire. C'est resté comme des empreintes qui sont restées comme des... Mais il n'y a plus rien maintenant. Qui sont restées comme des sortes de tatouages ou de blessures ou de points d'accroche sur le corps émotionnel. Très bien. C'était quoi comme type d'événement qui s'est... Elle s'est noyée, elle a été brûlée, c'est ça ou... On ne va pas chercher l'historique, hein, ce n'est pas le but. C'est comme si c'était démultiplié, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs, parce qu'il y a eu de nombreuses incarnations. Donc dans de nombreuses incarnations, il y a eu des situations de mise en danger du corps physique. Ce qui vient, c'est le feu, le fer, l'acier, le sang et l'eau. Il y a tout ça qui vient. Très bien. Bien, on va regarder partout où il y a ces mémoires et on va les éliminer. Ok? Oui. Donc sur tous les plans, comme précité, partout où elles se trouvent. 1, 2, 3, avec les échos et les résonances. C'est fait. Tu vois autre chose? Non, c'est bon. Parfait. Alors, autre point, donc au niveau de ce fameux héritage qui est bloqué, donc elle est issue d'une famille de ses filles et un garçon, et son père a fait un testament en faveur du frère uniquement. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé ainsi? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette situation? Oui, parce qu'il convient de garder dans la lignée l'élément féminin en frustration. En basse fréquence, en colère. Parce que c'est comme si dans la lignée, les femmes avaient plus de capacité de résistance. Donc, il est nécessaire, en tout cas, de les casser, de briser cette résistance. C'est encore une intrigue de sémante ? Oui. Elles ont manipulé le père pour... Oui. D'accord. Bon. Ok. Alors maintenant que la lignée a été travaillée avec ce qui a été fait jusqu'à présent, est-ce que tu vois qu'il peut y avoir des déblocages sur ce plan-là? Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut évoluer vers un peu plus de justesse et d'équilibre? Des portes se sont ouvertes du côté de la conscience de la lignée, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience, expansion de conscience du côté des consciences individuelles incarnées. D'accord. Et en particulier le frère? Pas spécialement lui en particulier, c'est l'ensemble en fait des consciences incarnées sur la lignée. Parce que puisque le testament est légal, que le frère soit seul et légataire, héritier, est-ce que ça peut changer? Si l'ensemble des consciences qui sont concernées par cette affaire-là effectuent un travail sur elles-mêmes, sur le plan énergétique, ça peut faire bouger les choses sur le plan physique, oui. Très bien. Donc elle invitera tous ses frères et sœurs dans cette séance.
Et de son côté, elle va se programmer pour l'ouverture des portes de l'abondance sous toutes ses formes. Dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Voilà. Et on va le stabiliser, sécuriser, pérenniser. Oui. Et quand je pense d'abondance, c'est pas que matériel, c'est créativité, c'est amour, enfin, comme je disais, toutes ces formes. Oui. Parfait. Bien. Donc, en 99, elle a fait une NDE avec un thérapeute. Elle s'est revue une vie de pendue. Bon, est-ce que c'était une vie antérieure ou c'était une manipulation mentale de ses mentes, puisque c'est leur spécialité. L'image qui vient tout de suite, c'est des fils de marionnettes. Qui c'est les marionnettes? C'est elle, la marionnette. Ah. D'accord. Donc c'était une image induite, en fait? Oui. D'accord. Il y a un fil. C'est comme s'il y avait une interprétation d'autre chose en arrière-plan. L'interprétation de cette façon-là, d'une manipulation avec elle en tant que marionnette. Est-ce que c'était destiné à développer un sentiment sur elle pour qu'on lui montre cet événement? Oui, comme une laisse. Pour développer en elle, installer en elle, le fait qu'elle est comme un chien au bout de la laisse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas libre. D'accord. Et qu'elle ne peut pas trouver sa propre autonomie, puisqu'il y a de toute façon cette laisse-là à laquelle elle est reliée toujours. D'accord. Pour laquelle elle ne peut pas se dégager. Donc une croyance qui l'est induite, quoi. C'est ça. Et bien sûr, il n'en est rien. Non. Bien. Maintenant, dans 500 vies, c'est bien possible qu'elle soit qu'elle ait quitté ce monde pendu. Hein. Mais c'est... Oui, mais ça n'a pas de rapport. Mais ça n'a aucune importance. Non, ça n'a pas d'importance, parce qu'il y a eu plusieurs incarnations traumatiques et avec des désincarnations traumatiques. Mais sur cette nouvelle ligne de temps, ça n'a aucune importance. Bien sûr. Et même dans l'ancienne, d'ailleurs, s'il n'y a pas de conséquences dans cette vie, l'information n'est pas utile. C'est-à-dire qu'elle... son développement énergétique et spirituel part du présent. C'est pour ça que les liens toxiques sont coupés pour qu'il n'y ait pas de reliance ni qu'elle soit bridée par rapport à des éléments qui d'ailleurs sont souvent faussés par rapport à un passé, quelque chose en parallèle ou un futur. Très bien. Bon, alors maintenant que c'est compris, donc dernier point, donc comme elle l'a exprimé, donc elle est artiste, hein, elle fait des photos, elle photographie les âmes des gens. Voilà. Regarde à quoi elle est connectée quand elle reçoit les informations ou qu'elle perçoit le bon moment pour, on va dire, fixer l'âme des gens. Regarde ce qui s'y passe. Alors, au moment où elle appuie sur le déclencheur, ça correspond au moment où elle ouvre ses portes. Ces choses rigides, là, ces plaques rigides qu'elle avait établies comme protection. Donc, il y a ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Ça correspond au moment où... Clac, il y a une mise en connexion avec ses propres énergies, avec le soi supérieur, mais ça se referme très vite. C'est marrant, ça correspond à l'obturateur de l'objectif de l'appareil photo. Oui, c'est au moment où elle appuie sur le déclencheur. D'accord, très bien. Et là, à ce moment-là, elle est connectée directement à son soi, à son essence? Oui, mais de façon... Dans ce court laps de temps. De façon très, très fugace, c'est-à-dire le moment... où elle l'appuie sur le déclencheur. D'accord. Genre un millième de seconde, quoi. Ou un 500e, je ne sais pas à quelle vitesse elle travaille. Ok, très bien. Bon, eh bien, voilà. Donc, on va procéder aux invitations.
Donc, on nomme donc ses quatre enfants avec les petits-enfants. Donc, elle a nommé Louise et Gabriel en particulier. Sa maman, ses six sœurs et frères. Donc, son ex-époux et puis tous ses amis de cœur. Oui. Voilà. Donc, en particulier, ses sœurs et frères, donc, vis-à-vis de ce problème d'héritage. Donc, elle montre d'abord à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire. Et bien sûr, propose à chacun d'en profiter. Oui. Et à l'attention de ses six frères et donc de ses frères et sœurs, donc, elle leur demande particulièrement s'ils veulent donc, profiter de cette occasion pour travailler sur eux et se libérer de ce qu'il y a libéré et résoudre ce conflit, cette situation qui pourrait bénéficier à chacun. Oui. Ils sont tous d'accord ? Oui. Très bien. Donc, est-ce que chacun accepte un petit coup de pouce avant de commencer ? Oui. Alors, puisqu'ils me cèdent leur pouvoir le temps de cette session, je vais en leur nom éliminer toute entité en lien direct et indirect avec chacun d'eux. Tout ce qui n'appartient pas, donc direct et indirect jusqu'au plan archéabélique, évidemment. Tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie et conscience d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. Chacun aura tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis d'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. Je compte à 3 et tout disparaît instantanément pour chacun. 1, 2, 3. Oui. Chacun se met dans une bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'il programme donc juste pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait donc Ona jusqu'à présent pour elle-même, adapté à sa propre situation. Oui. Et chacun va continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Bien. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Bien, alors on les laisse travailler, on les retrouve tout à l'heure. Et maintenant, nous allons voir donc son père, qui n'est plus de ce monde. Oui. Voilà, où le vois-tu, dans quel état ? Il est rattaché au plan terrestre par des sortes de fils, de ficelles. Il y a une énergie discordante qui passe à travers lui. Il est utilisé comme une sorte d'intermédiaire ou de transformateur, quelque chose comme ça, qui sert d'intermédiaire pour intervenir sur les incarnés. Donc c'est elle et ses frères et sœurs et la maman aussi. Et qui est-ce qui se sert de lui alors ? En arrière-plan, c'est les mantes. Toujours. Oh, elles sont tenaces. Hein. Bon. Est-ce que tu vois qu'il est possible de communiquer avec lui, en sa conscience ? Sa conscience a été endormie. Bon. On va demander à son soi supérieur, adresse-toi à lui et demande-lui s'il est adéquat de l'aider à se sortir de cette situation ou si ça fait partie de ses apprentissages. Alors, son soi supérieur est d'accord pour le sortir de là. Parce que ce n'était pas prévu, c'est comme si le contrôle avait été au-delà de ce qui avait été convenu dans ces expériences à mener. Bien. Alors, puisque nous avons l'accord du sens supérieur, nous allons le connecter directement à sa source. Faire descendre énergie, information originelle, puissance créatrice, conscience, amour, une très puissante énergie qui le traverse jusque dans son cœur. Dis-moi ce qui se passe pour lui. Cette énergie dissonante
s'arrête. Son rôle de transformateur stop, ça s'arrête, ça le stabilise et ses fils se détachent de lui. Est-ce qu'il prend, il reprend de la conscience? Oui. Comme bien. S'il commençait à se réveiller dans une sorte d'anesthésie, quelque chose comme ça. Bien. Alors maintenant, montre-lui qui nous sommes et pourquoi nous sommes là et qui nous envoie. Oui. Alors, comment réagit-il? Il est un peu... Comme quand tu travailles d'une anesthésie, un peu groggy, un peu hébété. Hébété. D'accord. Ok. Qu'il prenne le temps de se rétablir pour qu'il ait pleinement l'information. Tu vas au moment où il est pleinement rétabli. Oui. Bien. Alors, demande-lui maintenant... Donc... Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer en toute liberté et souveraineté ses pérégrinations donc sur certains plans? Il veut continuer ses expériences. Il ne comprend même pas pourquoi il s'est retrouvé bloqué là, dans cette situation-là. Il veut continuer ses expériences en restant libre. Alors d'abord, c'est important qu'il comprenne pourquoi. Donc il va lire, toutes les informations sont disponibles. Il va regarder tous les tenants et les aboutissants, tout ce qu'on a pu voir de notre côté et tout ce que lui peut découvrir à son propos. Et de comment les choses en sont arrivées dans cette situation avec tout ce système de manipulation de la fausse matrice et tous les acteurs. Oui. C'est clair pour lui? Oui. Bien. Alors avant de continuer, est-ce qu'il veut s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été sa fille sur ce plan, et puis en particulier avec ce qui s'est passé voilà, en relation avec Oona, et peut-être des autres aussi. L'information qu'il fait passer, c'est qu'il a été utilisé. Il a été utilisé, c'est comme s'il ne se sentait même presque pas concerné par ce qui s'était passé. Comme si tout ce qu'il avait fait avait été en état d'inconscience totale au niveau de sa conscience divine. Oui, pas coupable et pas responsable, bien sûr, puisque tout est matriciel. Est-ce qu'il veut dire quelque chose à Oona? Il lui montre cette situation de marionnette, situation dans laquelle tous les humains sont utilisés, placés en réaction les uns contre les autres, et qu'il est temps d'arrêter d'alimenter cette chaîne de réaction. C'est ce qui lui fait passer comme information. Et oui, encore fallait-il savoir que ça existe. Mm-hmm. Et maintenant, c'est le cas. Oui. Enfin, en tout cas, pour Oona. Bien, eh bien, on va le saluer. Il va... Dis-lui que pour mieux continuer son chemin, c'est bien qu'il se libère, qu'il retire toutes ses énergies du plan terrestre, partout où il en a laissé. S'il y a encore des liens, qu'il les coupe et dissolve les racines, non ? Tout ce qui est énergie de dépendance, de possessivité, etc. Oui, c'est fait. Voilà. Et on le salue. Oui. Bien. Donc, la deuxième personne qui a été nommée, donc, c'est cet ami chanteur qui a quitté ce monde également. Regarde où tu le vois et dans quel état il est. Il est dans l'astral. Il est dans une sorte de zone de repos, c'est-à-dire que tout est calme, plutôt léger et reposant. Tu peux communiquer avec lui ou pas? Oui. Alors, montre-lui qui nous sommes, il peut lire donc qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qui nous envoie. Il prend l'information. Et tu lui demandes, par ailleurs, s'il a besoin d'un coup de pouce. Oui, parce que cette zone-là où il se trouve, c'est comme s'il y avait des sortes
on va dire, de pansement sur lui, mais ça n'est que temporaire. Il y a quelque chose de plus profond à régler en dessous. Bien. Alors, puisqu'il demande de l'aide, on va le connecter directement à sa source. Fait des centres d'information originelle, énergie, puissance créatrice, amour, conscience. Et cette puissante énergie donc le traverse jusqu'à son cœur. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il y a une sorte de couche. Alors, on pourra assimiler ça à une sorte de pansement énergétique qui est lié aux fréquences de ce lieu-là, qui à la fois avait un effet émollient, calmant, mais en même temps cachait ce qu'il y avait en dessous. Donc ça se dissipe et ça permet l'équilibrage et la mise à niveau de toutes ces énergies. Ça le fait monter en fréquence. Bien, demande-lui maintenant ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer, donc, on va dire, ses expériences sur certains plans en toute liberté et souveraineté? Il veut monter à la source. Très bien. Alors, propose-lui de retirer toutes ses énergies sur Terre et de couper tout ce qui le rattache, les cordons, etc. Oui. Bien. Il veut s'exprimer envers Oona avant de remonter ou pas? Il la remercie, à l'énergie du remerciement qui est là. Très bien. Alors, nous le saluons et il peut donc... Il remonte par palier ou directement, c'est lui qui voit. Il est parti. Bien, on va continuer avec Oona. Donc, on va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. On coupe tous les liens et on dissout toutes les racines. 1, 2, 3. Oui. Au niveau des liens toxiques, on les a éliminés tout à l'heure. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose? Non, il n'y a plus rien. Très bien. Alors, couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. D'ailleurs, ça peut aider à débloquer des histoires d'héritage. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dents du sang ou du sang stocké, prélevé, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. 1, 2, 3. Oui. De son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre, qui est, je le rappelle, le point zéro. C'est fait. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. Que chacune peut profiter. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Connecter la cellule, donc programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de l'ambition respective, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Guérison instantanée pour toutes les parties qu'il nécessite. Elle place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Et pour chacune, elle fait descendre énergie, code et information. Oui. Elle installe et active dans les deux sens l'arbre de création.
Oui. Installation de la fleur de vie, graine de vie et double de muscade activée. Oui. Elle crée son baume de vie régénérant et il enduit partout où elle le juge nécessaire, à l'intérieur, sur et autour d'elle. C'est fait. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va regarder son ADN avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Combien est-ce que tu vois maintenant de d'hélices de présentes, de connectées et d'activées? Il y en a 10 qui se sont connectés. Connectées, activées? Connectés et activés, oui. Bien. Est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes? Oui, elle rajoute de nouveaux programmes qui viennent se relier avec ceux déjà présents. Et ça vient enrichir d'informations l'ensemble. Quelle différence ça fait pour elle maintenant? Ça lui permet de déployer son intuition parce que ça sécurise ses communications avec elle-même. Ça vient sécuriser ses communications et ça vient élargir et sécuriser tout son champ énergétique. Très bien. Alors, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source, Oui. stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, peux-tu me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 9 et 12 mois. 9 et 12. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Une sensation de liberté intérieure. Ouais, c'est ça, une quiétude, une plénitude, un calme intérieur. Ça amène du plaisir. Très bien. Est-ce que tu as des effets inconfortables dus au processus de métabolisation? Il y a des retours d'anxiété. Qui est dû à quoi? C'est le mental qui n'a pas encore mis en place ces nouveaux repères. Bien, alors on va aller chercher, on va dans le futur. Tu vas au moment où la séance est pleinement intégrée, réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent dans cette situation. Elle se sent libre, joyeuse et heureuse. Bien. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement, de l'apprécier, de le savourer, et elle le ramène ici et maintenant. Toutes ses parties s'en réinforment, bien sûr l'élémental, son mental ego et tous ses corps, ses organes, etc. Oui. Et on va sécuriser tout ça. Oui. À présent, on va regarder son domicile. Alors, comment le vois-tu? Une sorte d'instabilité énergétique qui correspond, mais qui est en correspondance directe avec sa situation énergétique antérieure. Par précaution, regarde son sous-sol. Est-ce que tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques? Non, c'est lié à elle. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout dans tous les coins, sur tous les plans. C'est fait. Elle installe partout des fleurs de vie, plaque Tesla, graines de vie et double les muscades activées qu'elle sécurise. Oui. Sur le contour général, qui est un Linky, tu fais un multicouche que tu programmes. Oui. Tu y instaures un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double les muscades activées et sécurisées. Oui, c'est fait. Sur tous les plafonds, un gros boîtier qui va donc filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Oui. Et tu sécurises tout ça. Oui. Elle remplit tout son espace de sa propre présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle cristique de protection, elle également, et les autres occupants s'il y en a et s'ils le désirent. Oui. Bien. Maintenant, on va procéder donc à la protection de tous les différents états de conscience.
tu programmes les protections et tu stabilises, sécurises. Oui, c'est fait. Relier le début et la fin de la séance et on sécurise. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, réussie et dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Oui. À l'intérieur, sans d'élémental. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qu'elle peut enrichir à volonté. C'est fait. Fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activée. Oui. Autour le corps diamantin et on sécurise. Oui. Et enfin, nous allons sécuriser toute la phase de métabolisation et toute la séance du début jusqu'à la fin, sur tous les plans, donc dans tous les espaces-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel, quantique et autres inconnus. Que chacune soit pleinement sécurisée, inviolable, ininfluençable. Oui. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a cette facilité de communication directe entre le soi supérieur et la partie physique. Il a retrouvé sa place. Oui. Bon. Il s'est stabilisé. Il est remonté et il s'est stabilisé. Une sorte de rééquilibrage global qui s'est mis en place. Il a quelque chose à dire donc à Ona ou des conseils à donner? De rester confiante en elle-même, c'est ça la base, la confiance, et rester centrée par l'intention, c'est ce qui crée l'alignement, mais dans la confiance et la tranquillité. Ok, donc pas de doute, pas de suspicion, pas de... C'est ça, et c'est ce qui maintient cette communication sûre, tranquille et puissante avec le soi supérieur. Bien, comment tu vois son âme à présent? Elle s'est dépliée, déployée, allégée. Elle flotte à côté d'elle. Très bien. Et sa partie subliminale? Elle s'est reconnectée à la partie physique et aux autres parties plus subtiles d'elle-même. Il y a de nouveau de l'énergie qui circule à son plein potentiel dans la partie subliminale. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, et dans cette nouvelle version d'Ona, en ce jour de nouvelle naissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Bien. Alors, chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, composée de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Donc, dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activée. Oui. Connecté au cardiaque, au cœur des Gaïa et à l'essence. Oui. Donc, atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. C'est fait. Alors, suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Oona avant la séance et quelle était la présente? Elle est à 62 et maintenant à 180. Bien. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Tu es prête pour le retour? Oui. Bien. Coucou. Bien revenu. Oui. Bon, allez, à nous, Oona. Tu peux remettre le son. Voilà. Ça y est, c'est bon. Bon, ben, il n'y a rien à redire. Ah, si tu peux nous partager ce que voilà, si tout ça t'a parlé, si tu as senti des choses, comment tu as vécu ça?
Physiquement, il n'y a qu'une chose vraiment qui était forte, c'est qu'au départ, c'est comme si j'étais coupée au milieu. Ma respiration était coupée. Je n'arrivais pas à respirer avec les poumons et avec le ventre. Et là, c'est bon, ça s'est rétabli. Ça passe, c'est fluide. Bien, eh ben, c'est un premier pas. C'est déjà pas mal, hein? Bah, c'est oui. Énorme. Mais pour le reste, physiquement, non, en fin de compte, je suis... Ah ben non, il faut laisser faire la métabolisation. Hein. Voilà, quand je demande ce que tu as ressenti, il y a des gens qui ne ressentent même rien du tout, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, tu vois. Tu as des gens plus sensibles que d'autres, donc voilà, ça ne donne pas d'indication sur ce qui se passe. Hein. Et puis, quand Emmanuel a parlé de... quand je prends des photos, c'est juste le moment où je fais le petit clic, où je suis reliée avec mon soi supérieur. En fin de compte... J'ai un don, en fin de compte, ici, c'est que, bon, ça ne se voit pas, hein, parce que de l'extérieur, ça ne se voit pas tout ce dont je viens de parler. Je suis quelqu'un de très communicative, expansive, naturelle et très ouverte, et avec beaucoup de joie et de rire et tout ça. Donc, les personnes sont toujours très bien avec moi. Mmh. J'ai cette faculté, je n'aurais pas ça, je ne pourrais pas les prendre en photo. Bien sûr. Oui. Et j'ai cette chance, en fin de compte, d'avoir ça. Donc, au moment de la séance, heureusement que j'ai ça en moi. Il y a de la psychologie, il y a de l'amour vers l'autre et tout ça. Donc, c'est très important. Autrement, tu ne peux pas prendre les personnes en photo. Ah ben, c'est essentiel, évidemment. Bien sûr. Oui. Et puis, quand je te disais l'âme des personnes, ce n'est pas que l'âme des personnes, j'arrive même à prendre, par exemple, dans l'invisible, dans la nature. Ça veut dire qu'un jour, j'ai eu l'énergie d'un chêne qui s'est matérialisé sur une photo. D'accord, ou alors des élémentaux, des choses comme des ça. Des élémentaux aussi. Voilà, des choses comme ça. Oui, c'est pas limité. Ah, ouais. Non, non. Donc, ça permet aussi que les personnes se rendent compte qu'il y a d'autres choses à travers ce qu'on voit ici, avec nos yeux. Voilà. En fin de compte, ça me sert à faire passer des enseignements et des messages, tout simplement. Bien sûr. Voilà. Bah, tu vas voir que maintenant que tu es libre, tu vois, ça va changer. Hein, ça va être encore plus... Voilà. Tu vas avoir des changements. Et je me fais appeler Ona, regard de lumière. Franchement, regard de lumière. Alors, on peut te trouver comme ça sur Internet avec ce nom-là? Mais oui, bien sûr. C'est un regard de lumière, tout le monde me connaît comme ça, et on me connaît pas mal aussi. Bon. Malgré que j'ai un problème de sabotage avec finance. C'était avant. C'était avant les pommes. Voilà. Mais tu as bien compris que durant cette fraction de seconde où tu fais la photo, tu es connecté à ton essence. C'est-à-dire que c'est le moyen que tu as trouvé pour y avoir accès et faire ce que tu as à faire et squeezer un peu le système matriciel, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Heureusement. Juste la fraction de seconde. Donc, Je suis puissante derrière. Ça sortira. Ou encore mieux, du moins. Heureusement qu'il y a des brides. Bon. Donc, tu m'autorises à publier la vidéo, je suppose. Tout à fait. Et non floutée. Non floutée. Ah, tu donnes ton nom sur le net maintenant. Hein, les gens, ils vont aller te voir. Hein, donc, Oui, j'ai une page professionnelle. Hein. Voilà. Sur la page de book. Bon, et bien voilà, comme ça te fera de la pub. Ok, bah, j'espère qu'on aura des nouvelles hein, dans l'avenir, quand tu voudras, si tu veux, par mail de préférence, me dire ce qui bouge, ce qui change, ce qui évolue, ce qui se guérit, ou si tu as des questions éventuellement. Oui, oui, je te dirai. Et puis, je suis vraiment contente tous les deux, vous êtes formidables, c'est chouette. Merci. Eh bien, écoute, merci à toi et merci à Emmanuel. Je continue à vous regarder sur toutes les autres vidéos. Très bien. Très bonne journée alors, Ona. Hein? Oui, à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.